Papa ofandi na lola na kabeli yo bomo inanga tokola fololo soki osepeli na liboza na ngai soki oliyosalelanga molumu yoka losango ntango kopesanga bozwi ata otomboli ngai yo Je t'aime beaucoup ma chérie. Je t'ai toujours promis ça. Et aujourd'hui ça s'est réalisé. Le rêve de notre vie. Le rêve de nous deux. La mère des enfants, de mes enfants. Mon amour, je t'aime beaucoup. Je t'ai dédié cette journée. C'est une grande journée. Ce sera une fierté pour moi de te voir encore à bout en voile. Oh ma belle, je t'aime beaucoup ma chérie. Mon chéri, je m'en fous. Le dedans, comment je fais la maille. Le jour où on a dit là, c'est là. Le dedans, réalité. Où je fais pour ma maille. En tout cas, je t'aime. Je t'aime. Pour nous, on a eu. Et on a mon amour. Mon amour. Dans les mentions, on s'en a pas mot pour ne plus qu'on s'exprime. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je t'aime, chérie. Je t'aime. Et mon année de l'eau. Au principe, je l'aime si bien là. Je t'aime. Je t'aime, chérie. Je t'aime, c'est tout pour moi. Je t'aime, mon amour. Toko Matina Souka. Hey.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous sommes venus ici pour la gloire de Dieu. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Qui? Si c'est Jésus qui est ressuscité dans ton cœur, alors acclame le Seigneur. Alors, sans pourtant beaucoup tarder, je crois que le frère vient de vous dire ce que je suis. Je suis votre frère, je viens de la Suisse. C'est parce que les micros, ça vous dérange. Amen, ça vous dérange ou bien c'est bon? Ok. Donc, avant de commencer la parole, je vais quand même parler quelque chose. Mais tu es encore éternel et tu es encore vivant. C'est pour cela que tu m'as donné cette force, avec ma main droite, d'ouvrir cette Bible. Et de la lire, parce que tu as permis que je passe les bancs de l'école. Mais ce qui est de l'interprétation, Père, mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi qui peux interpréter ta propre parole. Je t'ai pris maintenant toutes les choses qui sont contraires à ta parole. C'est ce qui est ici, et cela a des arrêts. Je prends contrôle et prévenance du haut de la chair jusqu'au dernier pas, afin que tu diriges ce que tu m'as demandé de faire. Et garde-moi, mais que toi tu parles au cœur assoiffé, au cœur brisé, au cœur troublé, pour que chacun de nous puisse trouver des chemins de retour sur les mystères de mariage. Accorde-le une fois de plus dans le nom puissant, infaillible de notre Seigneur Dieu de Nazareth. Nous disons amen. Amen. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Lisant cette petite portion de l'Écriture, je voulais vous parler sur les mystères du mariage, les secrets du mariage. Tout le monde sait que le mariage vient de Dieu. Mais quand quelque chose vient de Dieu, c'est quelque chose qui est parfait. Amen. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est quelque chose qui est caché, qui doit être révélé à Dieu à son temps. Et cela ne peut être que par la foi. Parce que la foi est une révélation. Amen. 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 Dieu lui-même te donnera les moyens de comprendre ce qu'il est venu révéler en toi. Le mariage, c'est Dieu qui l'a constitué, bien-aimé. Le mariage n'est pas à la mairie. Le mariage n'est pas basé sur une dot quelconque. Ce sont des symboles. Amen. Le vrai mariage, c'est Dieu qui l'a constitué. Amen. Dans Genèse que nous avons lu ici, et vous allez regarder la salle. Venez ici, ici à côté de toi. Futur, tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié. Vous êtes encore dans votre étape là du monde. Tu n'es pas encore marié, ma sœur. Mets-toi ici. Amen, Église. Amen. 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 Mais vous avez foi comme ça, pourquoi? Vous êtes contre les sept mariages? Amen. Mais attends votre tour. Ça, c'est un modèle où vous allez savoir comment les gens se marient. Amen. Amen. Soyez très contents et contentes parce que ça c'est une grande fête au ciel. Exactement. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi? Papa, tu as fait ton travail, allez t'asseoir. Maintenant, je m'adresse à la salle. Cher bien-aimé, Auguste Assemblée, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici devant Dieu et devant ce groupe de gens comme vous êtes là pour unir le frère Fumumbele et la sœur Eteta Bibiche dans les liens sacrés de mariage. Ce qui est recommandé à l'apôtre Paul, au Saint Paul, comme étant une chose honorable parmi tous. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment et légèrement, mais plutôt de façon convenable. On ne peut pas se marier dans l'ignorance. On n'a pas quitté. Non, pas imprudemment. Vous devrez être
averti. Dieu ne condamne personne avant d'avoir l'avertir. Il ne faut pas dire que non, si je le savais. Non. Le chemin que nous allons suivre jusqu'au bout. Amen. Non pas que tu arrives sur un rond-point, tu manques l'issue de sortie. Si je le savais, si je le savais. Cette danse-là, nous n'en voulons pas. Amen. Amen. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans ces lieux sacrés du mariage. Je pose la question. S'il y a ici des gens qui peuvent montrer un motif valable pour lequel elles ne devraient pas être légalement unies dans ces lieux sacrés des mariages, qu'ils les disent maintenant, sinon gardez votre silence jusqu'à ce que tu mourras. C'est maintenant. C'est lui qui connaît quelconque obstacle, qui sait que le frère a un enfant à Bordeaux, la sœur a laissé un enfant qui quitte et qui ne peut pas se marier. Dis-nous maintenant, car les anges sont là, Dieu est là. Sinon, restez silence jusqu'à ce que la mort nous apprendra. Amen. Amen. Applaudissons parce qu'il n'y a personne. Maintenant, je m'adresse à ces couples. J'irai de vous demander, vous deux ici, la salle reste impeccable. Diminuez un peu la musique. Parce que ça devient un peu grave. Je vais vous demander à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement. Quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, et que si l'un de vous connaît quelque chose, un obstacle qui empêcherait que vous ne soyez légalement unis dans ces liens de mariage, qu'il les confesse maintenant. Croyez-en sur tout couple qui est uni, autrement que l'autorité de la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Je demande à Frère Foumoumbele et à la sœur Etata Bibiche s'il y a quelque chose qui peut t'amener à dire que non, je m'étais trompé. Peu importe les dépenses que je fais, mais hier, on m'a dit que toi, ma chérie, tu as fait ça, ça, ça. Alors je vais dire ça aux yeux des gens pour que ce mariage ne puisse pas avoir lieu. Confessez ça maintenant. Frère Jonas, voilà, tu me donnes le micro. Merci beaucoup, frère. Frère Jonas, je passe à te poser cette question. As-tu quelque chose à confesser maintenant, frère? Non. Applaudissons. Donnez le micro à sœur. Oui. Sœur était ta bébiche. Il nous a dit ceci. Tout couple qui est uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Mais croyez bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel que vous allez bientôt prendre. Que vous vous êtes donc préparé à y entrer sur la même base avec respect, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de répondre. Sœur, as-tu quelque chose à confesser? Non, je n'ai pas. Applaudissons. Je crois qu'ils sont libérés de tout péché, ils sont libérés de tout obstacle, ils sont libérés de toute condamnation. Donc nous avons, j'ai le droit de les faire marier. Amen. Voilà. Si cette base, frère Jonas et frère Serge Bibiche, écoutez ceci.
Une autre question. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a aucun danger. Frère Jonas, maintenant, regarde-vous face à face. Bobé Sanambote. Saluez-vous avec la main droite. Saluez-vous avec la main droite, vous pouvez s'en remonter. Amen, il faut vous applaudir. C'est ce que nous appelons le verre de mariage. Frère Jonas Fumumbele, accepterez-vous de prendre la sœur du biche comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer et de la chérir dans la maladie, dans la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes et de ne vous attacher qu'à elles aussi longtemps que vous serez tous deux ensemble. J'accepte et j'approuve ça. Amen. Sœur du biche et Teta, acceptez-vous à prendre le frère Fumumbele Jonas comme votre mari légitime pour vivre avec elle, lui, dans ses liens sacrés du mariage. Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans l'abondance et dans la pauvreté. Et d'abandonner les autres maris et ne vous attacher qu'à lui aussi longtemps que vous serez tous en vie. J'accepte et je le prie au nom de Jésus. Amen. Parce que maintenant, c'est l'engagement solennel que nous allons prendre. Écoutez bien l'église. Frère Jonas Fumumbele, je vous demanderai un signe qui montre que cette alliance sera toujours observée. Amen. Observer n'est pas le verbe regarder. C'est un verbe qui t'amène à garder. À garder. Au bombe, au bâtiment. Je demande un signe. Et je sais que il y a quand même des signes que vous avez achetés que nous appelons les alliances. Où sont-ils? Va là-bas devant. Avec ta Bible. Ouvre cela, oui. En bas, tu vas mettre ça en bas. Voilà. Où sont les alliances? Vous ne pouvez pas bloquer l'auditoire. Viens ici derrière. Non, non, non. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Prenez-moi ces alliances. Vous avez votre truc. Nous prenons les alliances qui sont dedans. Ça, vous mettez ça, vous laissez la Bible. Non, 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 vous la mettez dans la carte, non, non, c'est dans l'alliance. Voilà. Ok. Allez, maintenant. Voilà.
Ces alliances n'est qu'un symbole. Mais la vraie alliance, c'est quand elles sont liées dans la parole de Dieu. Les naturels typifient les spirituels. Vous les voyez, elle est au milieu de la Bible. Maintenant, je demande à bien-aimé frère Jonas Mbele de prendre ton alliance et de le faire apporter à ta chère épouse qui n'est pas encore âgée. Accompagné d'un mot d'amour, bien-aimé frère Jonas. Amen. À haute voix, pour que tout le monde entende. Vous savez pourquoi nous mettons les alliances? Pourquoi nous mettons les alliances, l'alliance au milieu de la Bible? Écoutez bien, s'il te plaît. Nous mettons les alliances au milieu de la Bible parce que le mariage vient de Dieu. La Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Donc, ils vont. Donc, le frère vient de tirer sa femme maintenant. Elle va donner un signe qu'elle m'appartient. Même Satan voit que maintenant, elle appartient à frère Jonas. Frère Jonas, fais porter ton alliance à ta femme. Voilà. Donne un mot, frère. Des choses. À mon épouse. Amen. À mon amour que j'aime beaucoup. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prend soin de lui-même. Et aujourd'hui, l'écriture s'est accomplie. Je t'ai toujours dit ça. Ne vous inquiétez pas. Au temps convenable, ça arrivera. Et c'est ce jour-là. Ma tendre épouse, je t'aime. À la mariée de dire encore un mot de la part du Seigneur pour cette alliance. Sœur, prends d'abord ton alliance. Donne les mots. Je viens te dire. Voilà.
plaît, je vais sceller le mariage. S'il vous plaît, je demande à tout esprit qui est contraire à ta parole que cela ne... Je ne veux plus de dérangement. C'est maintenant le temps que je vais sceller le mariage. S'il vous plaît, soyez révérencés, soyez calmes. S'il vous plaît. Amen. Nous allons prier. Si vraiment vous avez l'amour à ce couple, inclinez vos têtes et priez le Seigneur parce que je vais sceller le mariage. Amen. Amen. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui as constitué le mariage, toi qui avais connu le mariage, toi qui as donné le mariage à cet homme-ci. Oh Dieu, je viens devant ta face. Moi qui suis qu'un simple esclave, par laquelle tu as mandaté afin que je vienne pour accomplir ce que toi tu avais prédestiné avant la fondation du monde. Quand tu avais vu que l'homme n'avait pas une aide, tu lui as fait une femme. Il l'a appelée, cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Et que tout ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. C'est pour cela, Père, quand Abraham a vu qu'Isaac est devenu grand, il lui a demandé qu'on aille chercher une femme. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons que trouver une femme à travers le Saint-Esprit. Père, la manière que tu nous as scellés jusqu'au jour de la rédemption, je scelle ces liens de mariage tant qu'ils seront vivants jusqu'à ce que la mort les sépare. Et que ce que l'homme a fait, nous avons le droit de les séparer. Mais ce que toi tu as uni, depuis le ciel jusqu'à la terre, personne ne peut les séparer. Car dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Mais il n'y a que le projet de Dieu qui peut s'accomplir. Dieu bien-aimé, laisse que ce fruit des entrailles que tu as donné à ce couple puisse grandir dans la crainte de l'Éternel. Toi, le grand Dieu, laisse que tu puisses l'unir jusqu'à ce que tu prennes les portes. Bénis ce couple dès maintenant à jamais. Sous ce mandat divin, l'ange qui m'a commissionné, je scelle cette union de mariage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. 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 Merci. Maintenant, vous me laissez d'abord. Excusez, vous allez chanter. Laisse-moi d'abord finir le service, ma sœur. Vous pouvez chanter jusqu'à minuit, il n'y a pas un problème. Amen. Vous avez vu quand même ce qui vient de se faire ici. Les signes sont accomplis. Maintenant, je demande au dé de s'embrasser afin de conclure notre cérémonie de mariage. Amen. Amen. Maintenant, nous venons de finir, mais il y a une chose qui va faire que vous l'avez jamais vu. Frère, regardez l'église assemblée. Sœur, regardez l'église assemblée. Sœur, voilà, soyez vraiment prêts à côté. Reste là. Voilà. Le rôle de ceci, cette voile ici, c'est le couronne de son mari. Nous le prenons, nous le mettons à l'épaule du mari. Cela montre que la sœur qui n'avait pas une tête, elle est maintenant complète. Le frère qui n'avait pas un corps complet, il est devenu complet. C'est cela que nous disons, mari, aimez ta femme et femme, soyez soumise. Donc la tête, c'est le mari. La sœur ne peut qu'obéir à ce que la tête dit. La sœur ne peut qu'obéir à ce qu'elle n'a plus une bouche. Sœur du bûche, tu n'as plus une bouche. Ta bouche, c'est dans cette tête. Les yeux, tout ce qui constitue la tête vient de ton mari. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
nous allons prier pour finir notre cérémonie. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants en fait d'être confirmés que c'est toi qui es l'Alpha et l'Oméga. C'est toi, Dieu Tout-Puissant, qui est l'auteur de cette réunion. Ce n'est pas parce que ton peuple a des moyens de transport, ils ont des belles véhicules ou encore ils sont en bonne santé. Mais si nous sommes ici, c'est à cause de la foi que tu as mis dans les pauses. C'est pour cela, Père, mon Dieu, mon roi, bénis les restes de leur vie et bénis aussi nous qui se sont sacrifiés. Accorde-leur encore plus beaucoup d'obéissance à la parole. Et je déclare encore à tous ceux qui ont entendu et qui ont vu, qui sont témoins de cet avertissement. Et s'il y a des gens qui devraient mettre leur vie en ordre, c'est maintenant ou à jamais de les aider afin de se révéler à un, afin qu'ils ne puissent pas rater quand tu viendras nous prendre. Je remets les restes de la réunion et de tout ce qui se passe entre tes bonnes mains. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, nous demandons ainsi, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons Milolo. Nous acclamons pour Jésus. Nous allons demander aux mariés et ce soir, gloire à Dieu. Bénissons l'Éternel. Les couples Foumbé Jonas. Excusez-moi, s'il te plaît. Je demande aux parrains, aux témoins, pas les parrains, les témoins des mariages, où sont-ils? Ce que vous appelez parrains, où sont-ils? Où est-ce que vous êtes? Alors, mettez-vous debout. Le meilleur de Paris, le spécialiste de l'événementiel, pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752
96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala et Zanaba Kolonango. Beauté Image. Tobateli Kimia.